Et je sens que ça va pas marcher. Sinon, c'est pas drôle. Statistiquement, là, j'aurais déjà dû trouver le code. Statistiquement parlant. Donc, c'est que ça pue en général. C'est que ça sent l'embrouille. Ça sent l'arnaque moldave. Je sais plus lequel j'avais mis. Je crois que j'ai mis celui en noir et blanc au départ. Oui, je refais un tour avec lui, allez, on s'en fout. Mais à chaque fois, il n'y a que le dernier dont j'en suis sûr. Dernière combinaison dont je suis sûr. C'est certain. Et le dernier, c'est lui. Bon, à mon avis, il me manque un truc. Il me manque un trigger ou il me manque un déclenchement d'événement pour que ça marche. Ok. Alors le truc, c'est qu'on n'a pas de documents. Ah oui, mais les textos, non, c'est les trucs d'aide. Je les ai pas parce que je suis en difficile. D'ailleurs, je crois qu'il écrit, non? Hors service, impossible de fournir ce service car nous n'avons pas pu vous localiser. Vous pourriez rencontrer des difficultés relatives aux appels, vocaux et services SMS. Merci. En plus, les murs, ils ont été peints avec du plomb. La peinture à plomb, donc forcément ça passe pas. Alors, histoire de fantômes et de tout lui. Nous on a battu l'arbre spectral, mais il y a encore le secret de l'étang avec la. Non, ça c'est le secret de l'étang, c'est avec un cadavre. Et ça c'était quoi, esprit de compétition? Parce que ça c'est la femme qui a perdu la tête. Par contre, en fait il y a ça là, chercheur de vérité. Il y a une espèce d'énigme en fait pour trouver un trésor en fait. Et à un moment donné, bon, de toute façon on va refouiller les pièces, hein. À un moment donné, il y avait une histoire de. Bon, je m'en bats les couilles, hein, je marche. Hein? C'est une erreur de numéro. C'est le truc, t'as même pas la tonalité, tu sais, t'as des cris dedans de ce signe. Ouais, non, c'est de la merde. Attends, on va laisser ça ouvert comme ça, je sais que j'ai fouillé. Je suis à peu près sûr qu'il y a un truc qui brillait, mais le jeu il se fout de ma gueule. C'est une arnaque moldave. On aurait dit. Ta mère au téléphone, c'est ça? Pourquoi? Elle est comme ça, elle panique. Faut la rassurer, faut lui dire que t'es réserviste, que t'iras jamais à la guerre. Ok. Alors, le délire, c'est qu'il faut qu'on refouille tout. Bureau du proviseur. Ouais, bah de toute façon, on va trop fouiller, hein, qu'est-ce que je vous dise. Hein. Ah oui, il y a ça, alors il y avait un code, mais je l'ai pas. Je ne l'ai pas. Allez, code PIN. 0, 0, 0, 0. Ah, je crois que c'est pas ça. Il y a une histoire aussi avec un tableau, où il y aurait une clé, en fait, une clé cachée derrière un tableau. Parce que le seul truc que je sais. Attends, est-ce que j'ai toujours. Voilà, j'ai ramassé un morceau de tableau. D'ailleurs, putain, le truc qui brille, c'est trop bizarre. Morceau d'une photo déchirée, on dirait qu'il manque d'autres morceaux pour distinguer ce qui se trouve dessus. En fait, il y a une histoire avec un professeur. Je sais plus ce que c'est, si c'est un professeur de musique ou. Connerie comme ça. Ça, c'était le code d'avant. Grosse ambiance. Tout est fermé. Ah, mais il y a plusieurs. Ah, ouais, ça je m'en souviens. Voilà, le parquet qui grince. Putain, mais il n'y a rien ici. Ah, ici, c'est grosse ambiance. Je me fais choper dans ce couloir-là, je suis mort, quoi.
Ah oui, c'était un musicien, voilà, le professeur qui nous intéresse là, avec des lunettes là, qui est sur le tableau, c'est un prof de musique, voilà. Mais pour l'instant, c'est fermé. Ouais, c'était ça. Et là, on peut rien faire. Ah, le sol est fissuré. Comment ça, le sol est fissuré? Fallait que je cours dessus, c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est de la connerie? Monsieur du connerie. En fait, il fallait que j'insiste sur le parquet en courant, alors que depuis le début du jeu, on me demande de pas courir. Bon bah voilà, on a un document supplémentaire. Alors, c'est un autre fantôme, un amour à sens unique. Yen Sun, une élève de première, était heureuse d'aller au lycée depuis peu en raison du nouveau professeur de langue. Grand et beau, celui-ci avait aussi une personnalité attirante. Il ne criait jamais et ne s'énervait jamais contre ses élèves pendant ses cours. Il était toujours calme. Yen Sun avait le cœur qui battait fort quand le professeur la complimentait sur son écriture. Le professeur avait même remarqué qu'elle avait changé de lunettes et lui avait dit que sa nouvelle paire lui allait bien. Nouvelle paire de quoi? Ah, et de lunettes. En y repensant, Yen Sun se sentait toute heureuse. Yen Sun était une élève plutôt banale. En fait, il serait plus précis de dire qu'elle était même sous la moyenne en ce qui concernait son apparence, ses notes ou ses compétences sportives. Elle avait aussi pris du poids depuis quelques années et même sa mère insistait pour qu'elle maigrisse un peu. Elle n'était pas populaire auprès de ses amis et les professeurs ne l'aimaient pas particulièrement. C'était juste une élève calme qui était toujours à la même place. C'est ainsi que la plupart des gens la définissaient. C'est la tristesse quand même. Et Yen Sun savait bien qu'elle n'avait rien de spécial. Et elle chercha à garder ses sentiments pour elle. Mais plus le temps passait, plus il lui était difficile de les réprimer. Elle ne s'attendait pas vraiment à pouvoir sortir avec son amour, ou autre chose du genre. Elle voulait juste lui faire savoir ce qu'elle ressentait pour lui. Yen Sun rassembla son courage et écrivit une lettre candide. Le jour suivant, juste avant que le cours de langue ne commence, elle plaça discrètement sa lettre d'amour à l'intérieur de la feuille de présence. Elle n'osait pas lui donner la lettre en main propre. Plus l'heure du cours se rapprochait, plus son cœur battait vite. Enfin, la cloche sonna et le cours commença. Mais le prof qui passait à la porte n'était pas le professeur de langue, c'était le professeur de sport qu'elle détestait. Il annonça que comme le professeur était en retard, il surveillerait la classe. Yuen Sun fut prise de sueur froide. Des pensées se bousculaient dans son esprit. Est-ce qu'il va faire appel? Est-ce qu'il va faire l'appel? Si oui, est-ce qu'il va trouver ma lettre? Est-ce qu'il va juste faire semblant de ne pas l'avoir vue? Mais la réalité s'avéra plus cruelle. Le professeur de sport ouvrit la feuille de présence, trouva la lettre de Yuen Sun et la lut à voix haute. Putain, le mec est vraiment un débile. Devant toute la classe. La salle fut bientôt pleine des ricanements et des railleries des élèves. Le professeur de sport se moqua même d'elle ouvertement, disant que même les élèves grosses et laides voulaient être aimées. Oh le bâtard! Oh le bâtard! Ah putain, mais alors, les profs de sport, vous savez, là, c'est ceux. De toute façon, les profs de sport qui sont des gros enculés, c'est ceux qui ont raté leur carrière de sportif. Et qui vous voyez, tape sur les élèves du coup. Parce que eux sont pas bons, ce sont que des élèves, tu vois. Et donc ils sont inférieurs à eux, ils en profitent. Les regards dégoûtés et le mépris de toute la classe effrayèrent Yeon Sun, tu m'étonnes. Ils étaient tous ses ennemis. Oh la vache! L'impression d'être tombé en enfer, entouré par des démons. C'est à ce moment-là qu'arriva le professeur de langue pour Yeon Sun. Allait être son sauveur. Allait être son sauveur. Putain, ça sent le finish. Il fut surpris par l'ambiance étrange qui régnait dans la classe. Le professeur de sport, qui prenait à malin plaisir à cette situation, lui donna la lettre de Yun Sun. La jeune fille regarda son professeur, s'attendant à ce qu'il calme la situation et arrange tout. Le professeur finit de lire la lettre et se tourna vers Yun Sun. Il avait sur le visage une expression de dégoût, mêlée d'agacement et de colère. On aurait dit qu'il voyait un insecte répugnant. La honte et le sentiment de trahison furent trop grands pour Yen Sun et elle se suicida ce soir-là dans l'école. Mais non, mais va te suicider ailleurs, merde, pas dans cette école, il y a déjà assez de fantômes comme ça, quoi.
Personne ne parlera de la vraie raison pour laquelle elle s'était tuée. Et bah oui, bien sûr, c'est parce que c'est vous êtes tous complices du meurtre. Putain de merde. Bon, ok. Grosse ambiance. Est-ce que ça m'aide? Non, ça m'aide pas. Putain, il y a même pas un indice, quoi. Non, c'est sûr que... Ah, mais je crois que je l'ai vu. Je l'ai vu, la pendue. On la voit au début du jeu. Ah, c'est elle qui s'est pendue. Il y avait une orchidée, d'ailleurs. Ah, bah, t'en fous. Il est là. Non! T'as pas vu, tu m'as vu. Tu m'as vu, t'es con. Non, il m'a vu. Ah, je suis mort. Non! N'a pas ce bug de merde! N'a qu'à ça. Attends. Ah, je m'en fous, je meurs pas. Je m'en fous, je meurs pas. Va te faire foutre. Allez, casse-toi! Non! Il m'a choué! Non! Il m'a coincé! Non! Allez, j'espère qu'il y a une sauvegarde. Acquisition d'expérience. Ah, c'est quand tu meurs 50 fois, non? C'est ça? Non, je... Acquisition par la douleur. Par la batte de baseball dans ta gueule. Mais putain. C'est Drodrica, si vous avez la soluce. Parce que j'ai aucun indice, c'est un truc de fou là. La dernière fois, j'ai arrêté au bon moment. Ouais, je suis un peu dans le caca là. Bah, j'ai un code, c'est 4218, mais. C'est ici, je crois, non? Alors, complètement à la zone. C'est trop longtemps. Ok. Est-ce qu'il y a avancement dans la quête ou est-ce que j'ai niqué le jeu? Bah oui, c'est le but, hein, c'est de faire des jeux que les gens font pas trop, quoi. Faut faire des jeux has-been. La prochaine fois, on se fera un Sonic 2006, hein, ça sera génial. Rapport sur les coupures d'eau. L'eau a été coupée dans le bâtiment principal pour une raison inconnue. Un évier a cependant encore de l'eau dans le lavabo scientifique du deuxième étage du bâtiment 2. Donc de 2. Les élèves semblent trouver cela perturbant. De grandes réparations vont avoir lieu pour remédier à ce problème. Il y a un truc qui gêne dans les éviers. Dans le labo scientifique. Eh ben, j'ai pas vu ça. Fallait peut-être le lire pour que ça se produise après. Mais... Est-ce qu'on est dans le bâtiment 2 de toute façon? C'est tout? C'était pour voir ça? Déjà, il y a un document personnel du proviseur. Jill Won Kim, donc, née le 22 janvier 70, religion SO, c'est-à-dire quoi ça? Masculin, religion. Donc, SO. Qu'est-ce que ça veut dire? Sans opinion? Ah, c'est sans opinion, genre? Genre, il est. Hein? Ah non, c'est sa religion, on sait pas. Ouais. Matière, musique, ouais. Famille, sans opinion, ok. S'est suicidée dans les locaux de l'école en 2000. T'es sérieux? Ah, Jiwon Kim, c'est le... C'est le docteur, ça. Putain, mais tout le monde s'est suicidé dans cette école ou quoi? Aucun ami ou membre de sa famille n'est entré en contact avec nous. Après sa mort. Ah oui, ben en effet, c'est sans opinion. Sans objet. Non, sans objet plutôt, je pense. Sans opinion, ça va être... avait l'air asocial, excentrique dès le départ, a inventé et répandu des rumeurs concernant une conspiration au sein de l'école, a montré des signes de paranoïa, a installé un verrou sur la salle de matériel de musique pour son usage exclusif, ouais, donc c'est bien toujours prof de musique, et caché la clé du tabouret de piano afin que personne ne puisse la trouver. Était étroitement surveillé au moment de sa mort, la possibilité d'un meurtre n'est pas exclue, étant donné les preuves trouvées, les preuves qu'il se soit suicidé. Nayunian, 23 septembre 80, féminin, terminal, salle 11,
tête de classe lors des deux premières années de lycée, mais ses notes ont commencé à chuter lorsqu'elle est entrée en troisième année. La raison de la baisse de notes n'a pas été élucidée. Elle ne semblait pas avoir de problème au lycée ou chez elle. A été trouvée morte dans l'école, faute de preuves. Oh putain, on va avoir tous les dossiers. Faute de preuves indiquant un meurtre, la cause de la mort est attribuée à un suicide par pendaison. Ah bah c'est ça qui s'est produit. Nom inconnu, date de naissance inconnue, féminin. Ah, c'est celle qui a été découpée. Femme délirante qui a commencé à errer autour de l'école il y a 2 ou 3 ans. Pénètre parfois illégalement sur le terrain de l'école, mais n'a pas un comportement inquiétant. Elle peut être impliquée dans un incident ayant eu lieu il y a 3 ans, mais il n'y a pas de preuve pour la relier à l'affaire. Fait montre d'une hypersensibilité aux alarmes. Alarme incendie et anti-effraction, celle-ci provoque des convulsions chez elle. What the fuck? Ah, un dispositif de verrouillage. Ah, intéressant. Genre... Attendez. Ah, poignée en bois. Une poignée en bois, on dirait qu'elle peut être emboîtée quelque part pour déverrouiller un endroit. Genre là. Un endroit où il manque une poignée de porte. What? Ah, genre là. Ah non, il y a un vrai puzzle là, attendez. Ça, moi, c'est un puzzle visuel. Ça marche, ça? J'ai aucune idée s'il faut que tout soit relié ou pas. Ce qui est bizarre, c'est qu'on aurait mis... C'est 4 fois le même schéma, on est d'accord. Pas trop s'il faut que ça s'emboîte parfaitement. C'est un peu chelou. Bon, attendez, on va déjà essayer de première pièce. Hein. Allez. Est-ce qu'il y a qu'on soit satisfait? Ouais. Ça a pas l'air ouf. À part si les deux on les connaît comme ça. Donc même comme ça, ça marcherait pas trop. Bon, à l'envers alors. Bah là ça s'envoie très vite fait, mais il y en a qu'un, il y a qu'un seul truc qui s'envoie. Ouais, je sais pas trop. On va essayer comme ça pour voir. C'est tendu ça, hein. Il n'y a pas de l'autre côté aussi. C'est quoi ça? C'est la même chose. On va reproduire le schéma de droite, j'en sais rien. Ah, attends. Non, c'est ça qu'on peut. C'est ça qu'on peut toucher. On va toucher la partie haute. Ils sont comment? Ils sont tous comme ça là? Ils sont tous dans ce sens là. Sinon, faut les mettre dans l'autre sens, j'en sais rien. Tu vas pas rentrer dans cette pièce. Hein. Faut la merder. Ah, c'est bon. Attendez. Ça a dû ouvrir le truc du milieu. Mais où? Je la mets dans mon cul. Qu'est-ce qui se passe? Wow, wow, qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord. Ah, vidéosurveillance, ok. Donc c'est bien ici, c'est le proviseur, c'est le bureau du proviseur. D'accord. Il y a de l'avancement. Je peux pas ouvrir cette merde là, je vais pas essayer. Ah, c'est super briquet, t'as vu, hein, il éclaire bien, hein. Putain, c'est ouf. Pour une fois qu'il y a un briquet qui revient dans un jeu d'horreur, hein, franchement, on va pas se mentir. Qu'est-ce que c'est que ce délire? On peut voir avec les caméras de surveillance, du coup. Bonjour.
Il va pas me faire un truc bizarre là. C'est marrant qu'on puisse capturer le démon qui est. Qu'est-ce qu'il fait? Attends, il est où là? Il a mis un truc en hauteur? Et là, il y a un autre écran, on va regarder. Donc, un secrétariat. Hein. Ah, on va te faire foutre. Non, 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 non. Je suis dans la salle qui est juste derrière, là. Derrière lui. Non, 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 non. Non, 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 non. Non. Non, non, t'es pas assez intelligent, non, non. Oh, le bâtard. Y'a personne. Il m'a fait flipper, ce con. Il est reparti. Il y a personne. Oui, il est un peu inquiétant, oui. C'est le mec, en fait, tu sais, il surveille l'école, mais il met des coups de batte de baseball. Attends, je l'ai pas eu ça. Hop. Alors ça, je sais plus ce que ça fait. Je crois que ça calme. Apaise vos nerfs. Ouais, c'est à dire que si t'es en mode crise cardiaque, course de 100 mètres d'asthmatique, tu peux te remettre en forme. Salut Warkeos, comment ça va? Sinon, il est parti non? Ok, alors le délire c'est de revenir au secrétariat qui est au premier, c'est à dire bah, ici apparemment, tout simplement. Ah bah voilà, c'est ici. Alors attendez, calmez-vous, il y a de l'avancement. Non mais comme ça tu vois rien, vas-y monte dessus. Ah le bâtard, il y avait les clés. Clé du secrétariat, vas-y prends. Clé du secrétariat, numéro 2. Hein? Bon, qu'est-ce que tu fais là toi? 나가는 길을 못 찾은 거야? Non, je m'apprêtais à partir. Non, je me fais du souci pour toi. Alors, est-ce qu'on lui a vu, on lui avoue notre amour tout de suite? Oui, parce que ce n'est pas qu'un jeu d'horreur. C'est un jeu de dating dans un lycée la nuit. À 2h du matin. Avec un lycée étudiante. Et oui. Parce qu'on est dans un jeu asiatique. Et dans un jeu asiatique, il y a forcément de la drague. Non, mais je vais me faire du souci pour toi. Bien sûr. Oui. Tare. No, aka. Jioni, yegil, hessotti. Krom, na jum doajule. Kerul jum chazabayagesso. Quelle belle langue, le coréen. Enfin, mieux que l'allemand, quand même. Eh ben, vas-y, je t'accompagne. Attends, par contre, secrétariat 2, c'est lequel? J'en regarde juste. Ok, c'est au deuxième. Tu sais qu'il y a un mec avec une batte de baseball. Bon, je te suis, hein, mais. T'es pas un fantôme, hein, qui imite un être humain. Je ne sais pas. Et pourquoi on est à 2h du matin dans les couloirs aussi? Oh, elle est pas cool. Elle m'a rembarré. Mais je m'inquiète pour toi. C'est tout? Même chose pour toi d'ailleurs. Quoi? Pour qui? Hein? Elle traîne dans les lycées en pleine nuit, c'est une autre culture, oui, c'est ça. Je vais pas voir le fantôme de la femme sans tête là qui est encore m'agressé. Bon, je te lâche pas, hein, mais. Dans la cage d'escalier. Maintenant oui. Oui, je suis désolé, c'est vrai que maintenant oui.
Ah d'accord. Ok. Je l'ai pas encore vu, non. Enfin, c'est un... y a un petit enfant ouais, qui se promène. Chelou. Yo Chancal, comment ça va? Merci du host, ça fait plaisir. Bah écoute, je sais pas, on joue un jeu chelou. Pour changer. Elle est pas nette, elle. Ouais, je crois qu'il y a personne qui est net dans le jeu. Moi, je voulais juste donner mes putains de chocolat à la femme de mon cœur. C'est ça, hein, le scénario. Oui? Parle du même qui était paranoïaque là. La deuxième, c'est ça? On va se diriger vers le secrétaire. Calme-toi à la fenêtre. Calme-toi bien. Attends, je peux pas rentrer là-dedans? Ah, mais on peut rentrer de l'autre côté. Il est où le mec avec la batte? Je sais pas, mais. S'il apparaît pas quand elle est là, elle peut rester avec moi pendant tout le jeu si elle veut. Pas de problème. Hop, j'ai débrouillé. Ah, c'est la salle des ordis. Je suis rassuré, ils avaient des ordis quand même à l'époque. Tu as une imagination débordante. As-tu des preuves? Ah bon, on l'a retrouvé. 넌이 시간에 왜 여기로 온 거야? 불렀냐니? 네가 전화로 불렀잖아. 오, ça sent le piège. Ça sent le gros piège. Les fantômes savent taper sur les téléphones portables, merde. 난 지연이랑 얘기 좀 해야겠어. 넌 신관으로 가서 나가는 길을 찾아보도록 해. 누구 봤지만? Il va y mettre une tarte. Est-ce qu'il y a ce comme ça? Ok. Brousse ambiance. Hein. Cassette enregistrée à l'envers. Quelque chose a été enregistré sur cette cassette, mais c'est à l'envers et indéchiffrable, sérieusement. Comme les disques vinyles qu'on peut mettre à l'envers. C'est bizarre qu'il y ait le téléphone. Enfin, qu'il n'y a pas de fil déjà. Franchement, à l'époque, j'en sais rien. Je dirais que c'est plutôt les années 2000. Soyez indulgents. On est en Corée, soyez indulgents. En plus, le pire, c'est qu'il y a dans les villes. Bon, là, on a la campagne. Hein, les cathodiques, on va dire que c'est légal encore. Mais dans les villes, oui, c'est un peu chaud quand même. Hein, des écrans cathodiques encore. Annonce de cours. Nouvelle classe de mathématiques avancées. Pour encourager les élèves à exceller en mathématiques, nous avons nommé la classe de première 7 classe de mathématiques avancées. C'est-à-dire maintenant, les meilleurs élèves en mathématiques recevront des cours à leur niveau en 5e heure.
Nous demandons à tous les professeurs. Ah, c'est l'histoire du petit tampon là, avec l'heure des maths. Nous demandons à tous les professeurs principaux de transmettre cette information à leur classe et de soumettre une liste des élèves concernés d'ici la semaine prochaine. C'est tout, merci. Merci, au revoir. Oui, la classe 7, ouais, c'est ça. Je crois qu'on va retrouver la classe 7 aussi. Putain, j'ai encore fait un screamer dans la gueule dans pas longtemps. Rapport sur l'état du lycée. Titre rumeur inconvenante au lycée. Oui, il y en a plein. Hein. Alors, les chasses au trésor sont en train de devenir rapidement la dernière mode auprès des lycéens. Mais il ne s'agit pas de chasse au trésor habituel. Ici, le but est de trouver le CD appartenant au professeur de musique qui s'est suicidé dans les locaux du lycée l'an dernier. La rumeur veut que Monsieur Kim, le professeur de musique, ait laissé un CD contenant ses dernières paroles et le secret de l'école. Selon les élèves, les indices laissés par Monsieur Kim apparaissent régulièrement, ce qui donne de la crédibilité à la rumeur. Cette histoire a pris assez d'importance pour perturber les cours. Certains élèves auraient même parié de fortes sommes d'argent sur la question. Nous recommandons à tous les professeurs principaux de prendre connaissance de la situation et de faire attention. Ah. Putain, ça va être la fête quand je vais pouvoir ouvrir tous les tiroirs. Alors qu'il y a une version gratuite du jeu sur PC, si ça t'intéresse, qui date de 2000 ans, un truc comme ça. Enfin, qui date des... Non, 2000 ans, j'ai de la merde. Qui va dater de 2011, un truc comme ça. Si tu check un peu, tu vas le trouver, je pense. Qui s'appelle pareil, hein, qui s'appelle What Day. En fait, j'avais commencé la version gratuite, et quand j'ai vu qu'il sortait sur PlayStation 4, en version plus vieux, je me suis dit, bah pourquoi pas. Je pense qu'il y a des différences. Bah déjà, il y a une différence graphique, ça c'est sûr. Il y a peut-être des différences sur les énigmes après. Ça c'est possible. Des trucs comme ça, tu vois. Après, je pense que la base est là. C'est le même principe. C'est la même école. C'est le même connard qui te poursuit avec sa batte. Ah, il y a un code là. Non, il va pas venir. D'avoir des légères différences entre les deux, mais en substance je pense que c'est à peu près la même expérience de jeu. Il est peut-être plus long sur PS4. Donc, ah, il manque des touches. Ah, ça c'est intéressant. C'est un QWERTY, donc il manque le E, il manque le O. Ah, il manque le O là. Ah, c'est bizarre. Il manque le N. Il manque le... Ah, le M, il est là. N, M. E. O. M, N. Meno. Nemo. Pas d'autre indice, hein. Les signes sont très chelous dans le jeu. Pourquoi étage de sang? Ah, étage de sang sur l'écran, c'est parce que je suis blessé. J'ai pris quelques coups sur la caboche au passage. Ah bah on avance, labo scientifique. Note dans la salle des professeurs. Débarrassez-vous de la chaîne IFI cassée qui se trouve dans la salle de matériel de musique. Une rumeur dit qu'elle s'allume toute seule. Et cela sème le chaos chez les élèves. Ça sème le chaos. Le radio qui s'allume toute seule. Putain, c'est n'importe quoi. Et c'est... Ouais, bon, ça, on s'en fout. Déjà, ils sont déjà perturbés. Les élèves ne veulent même plus entrer dans la salle de musique. Putain, les mecs, ils ont peur d'une chaîne IFI qui s'allume, quoi. Non, mais je veux dire, il y a pire comme Poltergeist, hein. Je veux dire... Tiens, un mec qui te poursuit dans un couloir avec une batte de baseball, t'es un peu plus en panique quand même, tu vois, qu'une Shinifi qui s'allume toute seule. Comme le Shinifi appartenait à Ji-Won Kim, qui s'est suicidé l'an dernier, vous pouvez la mettre en salle des objets trouvés avec le reste de ses affaires. Grosse ambiance. Grosse ambiance. Ok.
fouille un peu quand même parce que je. J'ai l'impression que je fouille mal à chaque fois. C'est dur de différencier les personnes, il y a toujours un king dedans. Ouais, mais là je crois que ça va. Ils en ont mis qu'un, ils se sont dit bon, on arrête les conneries. On en met qu'un, c'est déjà bien. Et là je crois qu'il n'y en a qu'un. C'est le prof de musique. À un moment donné, je croyais qu'il y avait aussi le prof de. Enfin, l'infirmerie quoi. Ah. Et il y a un cadenas, mais on s'en fout. On s'en balait qu'il y a apparemment. On peut même pas interagir. Je crois qu'on peut pas faire mieux que ça. Mais ça, c'est pas la chaîne ici. Pourquoi il parle d'une chaîne ici? Il y a une ici aussi. C'est trop bizarre. Alors, on a récupéré. Ouais, je pense que c'est le labo scientifique qui est là en 13e étage. Ok, on va y aller tranquillement. Perso, je serais plus horrifié si elle se met à diffuser du Joule. Ah oui, bah je comprends. Non, mais je comprends, ça je comprends, tu vois. Bon, ils ont dit, elle s'allume toute seule. Ils ont pas dit ce qui est diffusé. Après. Ça, c'est vrai. C'est un Joule, t'imagines. T'imagines, la chaîne IFIA s'allume et ça fait wesh alors. Wesh alors. Touche mon sgeg. Touche mon sgeg. Tu verras, ça fait de la musique. Oh putain, il est là le con. Oh, il est con. Qu'est-ce qu'il fait à cet étage, putain de merde. Vas-y, ouf, vite, vite. Vite, on n'a pas le temps. Vite, vite. Vite, rentre dedans. Ok. Ah, il y avait une histoire de lavabo. Un problème de lavabo. Oh le bâtard. Non, non. Waterfoot. Waterfoot. Non. Vite les toilettes, vite. Vite les toilettes. Vite ferme. LOL. T'es fatigué, jamais lui. On aurait vraiment dit Nicholson dans The Shining. Non, s'il te plaît, j'ai pas sauvegardé. Casse-toi. Casse-toi, j'ai pas sauvegardé depuis longtemps. Merci. Jules Fitting Yuichi. J'imagine que le mec à la base c'est scripté quand il peut apparaître. Bah, en fait, je pense qu'il. Je pense que de temps en temps il se téléporte, mais pas tout le temps. Que quand c'est un peu scripté. Mais sinon, il se promène vraiment. Et donc, c'est chiant parce que, en plus, en ce moment, il est chiant parce qu'il lâche pas ce bâtiment. C'est un arbitre. Non, je sais pas, je sais pas qui c'est, mais c'est un arbitre. Petit souci. Yes. Ok, on va sauvegarder. Voilà. Ok. Bon, là, je m'en fous maintenant. Je vais y aller. 2h du mat, là. C'est ouf parce qu'il y a le timer dans le jeu. Bon, ça te dit, à mon avis, ça t'indique un peu l'avancement. Et il va pas revenir là alors que je suis. Il va pas revenir là. Parce qu'il est venu quand même en courant, hein, que j'ai refermé la porte. Hein. Ça, c'est une sauvegarde. Non, vas-y, prends-la. Prends pas pour des voleurs, en fait, il est possédé, le vigile, tu vois. Parce qu'il est pas censé mettre des coups de batte aux gens. Dès le début, il chope un élève, il le bute, mais pour de vrai. Tu sais, le finit au sol avec la batte, tu fais « ouais ». Et après, il traîne son cadavre, tu fais « oui ». C'est grosse ambiance. Une grosse ambiance. Alors faut que je check parce qu'il doit y avoir un tuyau à enlever. Tu sais qu'ils avaient coupé l'eau en fait, parce qu'il y a un truc qui bloquait. C'est juste pour
C'est juste un texte d'ambiance ou il y a vraiment un truc à faire avec les... Non, c'est lequel qui... C'est lui qui fuit. On voit même pas la goutte. Elle est où la gougoutte? Pour l'instant on s'en fout. Si c'est un vigile un peu nerveux. En plus c'est une qui a ici avancé. Ça fait encore plus peur. Ça fait encore plus peur, ouais. Ouais, j'avoue. L'attaque des Akabis. Morceau de journal. Un rapport de l'accident du 16 mars 1900XX. Le 15 mars, aux alentours de 21h50, un feu s'est déclaré dans la salle d'éducation ménagère du lycée Y à Séoul. Ah, on est à Séoul apparemment quand même. Ouais, on est dans la banlieue éloignée de Séoul, je pense quand même, parce que c'est un endroit qu'on a quand même à la campagne. Une élève est morte. Oh putain. Le feu a provoqué quelques centaines de dollars de dégâts, mais... Des dollars ? C'est des dollars en Corée ? oui, c'est bizarre. Mais n'a causé que peu de dommages. Il s'agissait d'un petit incendie qui a été éteint en quelques minutes. Ah, mais c'est celle qui s'est immolée, là. L'accident est arrivé juste après la fin des cours. La plupart des étudiants étaient donc hors du bâtiment. Mais une élève a été tuée alors qu'elle attendait sa mère. Elle avait de l'asthme et la police pense qu'elle est morte d'une crise d'asthme provoquée par le feu. Ah, c'est autre chose. Les autorités mènent l'enquête pour déterminer la cause exacte de ça. En vrai, parce qu'il y en a une qui s'est jetée dans le feu, j'ai oublié ça, tiens. C'est quoi ça ? Il y a un piano ? C'est pas celle de musique, c'est derrière ? Bien sûr. Grosse ambiance. Qui joue du piano à cette heure-là? Ah, c'est sûr, c'est pas le vigile, il est pas assez intelligent. C'est le fantôme du prof de musique qui s'est suicidé, bordel. À mon avis, on l'a buté, hein, mais bon, on va voir. Ah! Oh! Comment j'ouvre ça? Non, c'est bon, je peux le prendre. Je sais pas, c'est bizarre, j'ai chopé des poids là. 1, 5 et 10 grammes, il y aura une énigme de ouf à la fin du jeu. Fouille bien hein, parce que j'ai pas envie de revenir pour rien. On nous pose des questions après, est-ce que j'ai bien tout fouillé? Oh non, allez vous faire foutre. Screamer dans 3, 2, 1, non. Oui, non. Peut-être. Ah, j'ai fait l'imbloquable du tiroir. Non. Après, je vais me le prendre, l'escrimeur dans la gueule. Parce qu'il y a la femme sans tête là qui me casse les couilles là. Elle est pas là? On peut y aller maintenant? Grosse ambiance! Bonjour! Je suis un ami, hein! Ne me butez pas, s'il vous plaît! Attends, faut écouter! C'est un peu la scintille. Non. 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 Je sais pas. Ta 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 ta
Ah, j'ai cru qu'on peut faire les noirs, j'ai eu peur. Bah, je te fais la suite. Non. Ah mais ta gueule l'horloge, mais c'est pas possible. Ah c'est ça. Non. Ah ta gueule. Non ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Y'a rien de plus chelou qui est... Ah putain elle est là. Vous l'entendez? Vous l'entendez là? Screamer! Non je m'en fous, je regarde le piano. Je te regarde pas. Je suis quand même pris le screamer. Bon, c'était un screamer piano. Attends, c'était quoi? C'est... C'est pas ça? Je suis mauvais. Pourtant, j'ai réussi à faire des trucs de musique genre type comment il s'appelle, Econite, Econite 2. Il y a un putain de truc de musique à faire et je l'ai fait pratiquement du premier coup hein, avec du morse. Des petites combinaisons de trucs complexes, mais alors celle-là là. Attends. Ah sa mère. Donc il y a 5 notes. Pain, 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 pain. Putain, je sais pas. J'arrive pas à déterminer la première, attendez. La première elle est plus basse, j'arrive pas à déterminer. Non, je l'ai là. 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est pas celle-là. 1, 2, 3, 4, 5. Non, ah, ok. 1, 2, 3, 4, 5. Merci. C'est quoi? Ah, un truc du tabouret piano. Et il y a quoi dedans? What the fuck? Ah, on va trouver ça. Ah, dis pas qu'il va falloir faire de la vraie musique après. Ah, un morceau du tableau. 4, 6, 17. Bah ouais, mais. Hein? Ah non, qu'on pouvait y aller ici avant et. Ah, je sais pas trop. 4, 6, 17? Ça me servait à quoi ça? 46, 17? J'ai un autre code à mettre? Je suis paumé là. Le mot mystérieux. Un balancier d'horloge à l'envers. Merci Warchaos. Finalement, j'ai un peu l'oreille musicale, un petit peu quand même. Bon, c'était que 5 notes, hein. Un balancier d'horloge à l'envers,
Sa voix sera la clé pour découvrir le secret de l'éveil musical. Un balancement d'horloge à l'envers, what the fuck? Mettre une clé dans une horloge, non? Sa voix se... Ah bah voilà! Ah bah c'est peut-être ça. 46, 17, j'espère. Ouais, yes. On avance, on avance! Attention, donc là par contre il doit y avoir un objet. Là je peux allumer, on s'en fout. Ah bah voilà, le célèbre CD. Il contient le CD. Mais prends-le! Alors photo 3, photo 1, photo 2. Ah j'ai peut-être les tous les morceaux. Mais par contre, est-ce que tu peux te respecter et aller me chercher le CD? Non, parce que c'est marrant 30 secondes les handicapés un peu mentaux, mais là tu peux aller me le prendre s'il te plaît. Oh non, mais c'est pas possible, mais c'est un truc de ouf. Bon, je ramène un escabeau, je sais pas quoi ici. Peut-être l'escabeau qui est dans le. Ah, mais tu avais essayé, j'avais pas réussi à ramener l'escabeau. Qui est dans le premier bâtiment. Ah, métronome. Je peux utiliser le métronome. Ouais, sérieux, le mec il peut pas tendre le bras. Il fait vraiment 1m20, hein, le gosse. Hein. Il est lycéen, mais il fait 1m20 quoi. S'il te plaît, oui, je sais. Mais prends-le, s'il te plaît. S'il te plaît. Fais un truc! Je sais pas, fous le feu. Sais pas, on voit. Balance la cassette. J'ai tombé le CD quoi, je sais pas. Il y a un truc à faire. Non, alors ça marche pas. Il va y avoir un truc à faire. C'était quoi l'énigme? Parce que je sais pas si. Non, mais l'énigme c'est pour peut-être pour le code que j'ai fait donc. Un balancier d'horloge à l'envers. Sa voix sera la clé pour découvrir le secret. Un balancier à l'envers. Balancier à l'envers, je ne comprends pas. Bah, y a... Ah bah voilà! Pourquoi je voulais pas? What the fuck? Un balancier à l'envers. Et je vais faire quoi? Oh, ce jeu il est buggé! Ah, je vous assure que ce jeu il est buggé. Hein? Hein? Il y a une tour que j'ai couvert? On va pas me prendre les pieds dedans, ça sert à rien. Je vous assure, je vais pas m'énerver, mais je suis pas loin. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non mais... C'est encore un mec. Non, je suis pas sur Steam, je suis sur la PS4 en plus. Non, je me suis offert tout seul comme un grand. En version physique en plus, hein. Qu'est-ce que tu crois? Par contre, tu peux t'offrir tout seul gratuitement la version PC. Qui est gratos. Putain de merde. Il y a une version Android aussi si vous voulez, je crois. Du jeu. Et comment on le balance là? Mais tape-moi dans ce métronome! C'est pas possible ça! Allez! Yes! Oh my god! Oh my god! Ah, j'ai un champion! J'ai un champion toute catégorie là. Champion toute catégorie. Je vous assure. On vérifie s'il n'y avait rien sur les mains. Je
Champion de toute catégorie de la mongolisation absolue. La mongolisation n'est plus un secret pour lui. Ah putain. J'avoue, je ne comprends pas trop. Il y a un truc près de la poubelle. Un petit soja. Yes. Plaisir, toi. Je comprends pas. Peut-être qu'il y a un certain angle à adopter, mais j'ai pas compris. Bon, déjà, on va taper. Je sais qu'il y en a partout. Déjà, on va fermer ça. Ça me gêne vraiment. Voilà. Et tout à l'heure, voilà. Tout à l'heure, j'étais comme ça. Parce que là, vous voyez. Putain, le cercle, il apparaît quand il veut. Putain, on se croirait dans une énigme low cost de Sibérie ou ce genre de point and click là. Une zone précise et un angle à attaquer, mais tu sais pas lequel. Tu ne sais pas. De temps en temps, il y a un rond qui apparaît. Il disparaît aussi. Oh là là! Bon, en plus, le pire, c'est que je suis bloqué si. Cette désert est bloqué après. Oh là là là. Ah, elle me disait d'aller dans le nouveau bâtiment. Qu'est-ce que j'ai comme cul moi? J'ai rien là. Passe partout du premier bâtiment. Ouais, elle m'a dit ça d'une manière globale. Putain, j'ai un trousseau de clés sur moi. Je comprends pas l'histoire du métronome. Ouais, je suis sûr qu'il y a un truc à faire entre le CD et. Oui, bah oui, oui, bah, je crois que c'est. Il y a un truc pour déclencher la merdouille là.